au menu du jour de la flamme sacrée accompagnée de liqueur du maître. À moins qu'un petit coup de massue ne vous suffise. Bon les amis, cette fois-ci le plan, il est simple, il suffit de... Bah, il est où Tass ? Oh non, c'est pas vrai. On va comme d'hab alors. Chargez ! Du lait, des femmes, du poulet, nom de Dieu. Une sacoche d'or, pour moi c'est encore mieux. Mon carquois ? Où est mon carquois ? Ah, le voilà ! Mes flèches adorées ! Merci, Mario. Mais bordel, il va marcher ce putain de sort ! Ah, mais si, il fonctionne ! Trop bien ! Hey au gougou tout le monde, c'est GM Nerolf avec la team Zantetsuken. Bonsoir les aventuriers. Salut. Bonsoir. Bonsoir. De retour cette semaine. On a fait une petite pause de presque 15 jours de nouveau. On a du mal à se croiser en ce moment. Mais nous sommes réunis, les aventuriers. Ont trouvé le jackpot hein, il y a 15 jours. Hein. Vous avez fouillé une partie du donjon et vous avez trouvé qu'un passage secret, même deux, et vous avez eu la chance incroyable de voir la cité de Letton, City of Brass, et d'en récupérer la carte. Une chose incroyable que vous allez pouvoir raconter en ville, certainement. Des personnes vont avoir du mal à vous croire, mais vous en êtes certain, vous l'avez vu de vos yeux vus. Et puis, on a la carte ? Et vous avez la carte, tout à fait. C'est vraiment une histoire. Xontal était plus qu'un génie et un grand magicien. C'était vraiment l'homme du siècle. Il a encore démontré toute sa puissance et son savoir avec cette invention. Vous voilà donc sorti de cette pièce et vous êtes retourné dans le couloir. Juste Erwal traîne un petit peu. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse la main. Et oui, puis, on va voir la carte. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah bah oui. Petite synchronisation. Hey. Je sais plus pourquoi je traînais la patte, mais j'arrive. Je vois que nous sommes au complet. Continuons, les amis. Nous avons encore du long chemin, j'imagine. Passe devant, petit as. Alors oui, pour revite contextualiser, la passerelle était invisible, c'est ça ? Non, là, on voit rien. En effet, la passerelle devant vous est... alors, c'est pas tout à fait ça. Tu vois une passerelle devant toi, tu vois une allée de carrelage. Mais sur le côté, les murs sont un peu... Il y a un petit muret de 20 cm de hauteur, il faut imaginer, de part et d'autre. Et tout le reste du mur est transparent et tu vois au travers. Il est complètement invisible. Et derrière, tu vois le cosmos et tu vois le vide partout. Par contre, en face de toi, à quelques dizaines de mètres, tu distingues une porte en plein milieu de... En plein milieu du couloir où tu te trouves, et tu devines qu'il y a un chemin qui part vers la gauche et vers la droite juste avant cette porte, puisque le petit muret est discontinu à cet endroit. Ok, je vais te refaire mes jets de... S'il te plaît. Je me souviens plus, on avait jeté quelque chose et c'était retombé dans la pièce à côté, c'est ça ? Alors, en effet, il y a Dairon qui a essayé de jeter une pièce, je crois que c'était une feuille de papier ou une pièce, je ne sais plus, peut-être les deux. Et oui, en effet, vous avez remarqué qu'une des pièces ou la feuille, l'un ou l'autre, je m'excuse, je ne sais plus, était retombée dans la pièce adjacente. Okay. Je t'ai fait mes deux petits jets traditionnels.
Et puis bah, je vais avancer jusqu'au bout du couloir. Ah oui, c'est les pièges le premier. D'accord. Oui. Très bien. Tass, tu passes le couloir et arrivé à peu près au milieu de ce dernier, je t'arrête. Voilà, avance encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà, arrivé ici. Voilà ce qui arrive. Baston. Alors que vous fixez le corridor, en regardant la porte en face de vous, les murs semblent s'effacer et le sol se dérober sous vos pieds. Vous voilà marchant dans le cosmos et le néant. Il vous faut alors quelques secondes pour comprendre que cette magie n'est qu'une illusion. D'un pas plus qu'hésitant, vous continuez à progresser en marchant sur ces allées d'étoiles. Après quelques secondes, une vision d'horreur apparaît sur votre droite. Des petites lumières qui semblaient être que des étoiles se rapprochent de plus en plus vite de vous. Arrivant de plus en plus près, des météorites semblent se dessiner. Te voilà Tass marchant dans le vide, les autres aventuriers qui sont à l'entrée du couloir, le sol a disparu sous vos pieds, même l'emmarchement qui était juste derrière vous, tout le couloir s'est complètement effacé. Vous avez le sol sous vos pieds, vous avez un peu du mal à vous... C'est déstabilisant hein, finalement, vous marchez dans le vide et Tass... Tu vois des météorites, des espèces d'étoiles filantes passer et traverser le couloir à une vitesse complètement dingue. Tu me fais un jet d'esquive, de dextérité, s'il te plaît. Que lui ? Pour l'instant, que lui. Forben, j'ai pas vu que t'avais avancé, pardon. Ouais, bah moi je suis toujours Tass. Hein. Ouais, j'ai pas fait attention, excuse-moi. Tu me feras aussi le jet de dextérité, s'il te plaît. Une save ou un jet de... c'est pareil de toute façon pour moi. Soit, oui. N'importe. C'est pareil pour moi. Très bien. Pour Tass, ça passe. Pour Forben, par contre, tu ça es... passe. Oui, pour Tass. Tass, il n'y a pas de problème, tu arrives à esquiver pour l'instant les premières météorites, alors que Forben, tu es frappé de plein fouet par une étoile filante qui traverse à ce moment-là. Tu es propulsé à l'extérieur du ponton et tu viens t'effondrer, tu tombes dans le vide et tu perds connaissance. Jette-moi un dé de 8, s'il te plaît. Très bien, merci. Donc je perds connaissance et je flotte dans le cosmos, c'est ça ? Tu perds connaissance et tu flottes dans le cosmos et tu es aspiré et au bout de quelques instants, tu disparais. Ah oui, carrément. Mais qu'est-ce les qu'il autres, passe vous êtes. Oui. Où est Forben ? Vous voyez ça ? Erwald, que faites-vous ? Tu as remarqué que tu. Oui. Forben ! Oui, moi je me tourne vers la pièce sur le côté. Est-ce que je vois encore la porte ou quelque chose ? En effet, la porte est toujours à porte. Bah écoute, de mon bras gauche, j'attrape Dairon et je le tire vers la porte, vers la salle. J'imagine qu'elle est encore visible, la salle ? Oui, complètement. Voilà. Je fais rentrer et j'essaye de prendre un peu de temps pour analyser ce qui s'est passé, là. Est-ce que si je fais un jet d'arcane ou de, je sais pas... logique ou je sais pas qu'est-ce qui pourrait m'aiguiller là-dessus. Tu peux faire un jet d'intelligence, mais ça paraît assez clair. Hein. Bon, tu es assez tremblant. Hein. Mm-hmm. Tu viens de voir ton ami frappé par un
par un rocher qui est venu à la vitesse de la lumière, qui l'a percuté de plein fouet et qui l'a envoyé dans le vide. Tu... Oui, oui. Tu, tu donnes pas cher de sa peau. Hein. Et ouais. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ce plan peut être par-dessus le nôtre et du coup prendre le dessus sur le nôtre. En fait, c'est ce côté-là que j'ai du mal à saisir. Pourquoi, en fait, on voit une partie et une autre partie est dans l'autre plan, ou enfin les deux se chevauchent à cet endroit-là. J'ai du mal à saisir ce côté-là. Je comprends. Et tu dois pas être le seul magicien à avoir ces interrogations sur la tour d'Oxontal et comment elle fonctionne. Tout ce que tu as vu ici te semble absolument irrationnel. Complètement. Tranquillement. Ok. Écoute, je regarde partout, j'essaye de voir si dans les... Enfin, le plafond, on avait dit, c'était le néant, aussi, enfin les étoiles et tout ça. Est-ce que je vois quelque part notre ami? Je le cherche des yeux. Très bien. Les autres. Forben ! Mais t'es passé où, Forben ? Pars pas sans moi aller visiter les étoiles ! J'arrive ! Je saute dans le vide et j'essaye de rejoindre Forben. Très bien. Un jet de 8, s'il te plaît. Les autres. Yeah. Putain, t'aurais fait 4 en ça, ça se trouve au même endroit. Ça aurait été trop bon. Ouais, voilà, franchement, les amis, c'est la catastrophe. Bon, pas parce qu'on a perdu Tasse, hein, mais Forben. Il avait quand même 2 fois tes points de vie. Me voilà tank principal. Non. Non, t'as combien de points de vie, Dio? On ne juge pas un combattant à ses points de vie. Je vais prendre un bouclier, c'est bon. Bon, La peur est quand même... Vous êtes quand même assez transi par ce que vous venez de voir. Hein. On est quand même sur une scène d'horreur. Hein. Vous êtes en théorie assez tremblant. Il est même difficile de choper ce qui est vrai là-dedans ou pas. Mais vous êtes en tout cas déstabilisé. C'est choqué. Ok. Est-ce que, Dairon, tu aurais une corde? Je ne pense pas que le suicide soit la bonne solution, Erwald. Est-ce que tu aurais une corde? Est-ce que l'un de vous deux aurait une corde, Elzinha et Dairon? Alors attends, parce que... On s'est tellement passé, repassé. Moi j'en ai plus, malheureusement. Je crois pas. Attends, je regarde. Non. Malheureusement, c'était Forben, notre cordeur. Oh merde. Ok. Le fait de chercher dans vos sacs, vous agissez bêtement puisque vous ne savez plus trop quoi faire. Vous êtes vraiment dans la panique et le fait de chercher un petit peu, ça vous calme légèrement. Vous commencez à retrouver vos esprits après quelques secondes. Mon cher Forben. C'est moi. Tu ne sais pas combien de temps il s'est passé. Tu ne sais pas exactement où tu es. Tu as l'impression de flotter en l'air. Toujours et... de le cosmos ou... Non. Okay. Tu es dans une salle. Tu es dans une salle qui est en forme une espèce de petit carré avec une voie qui se libère et qui a l'air d'aller vers le sud. Dans cette salle, tu ne détectes que les murs. Tu ne détectes absolument rien d'autre que les murs et le sol. Tu ne vois aucun meuble, pas de poussière, pas un grain. Seuls les murs semblent dessiner et apparaître à ta vue. Est-ce que le sol est fait de la même pierre que le bâtiment? Tout à fait.
Ok, et je... j'attends 5 minutes pour reprendre mes esprits. Voir s'il y a pas... si d'autres camarades se sont pas fait toucher. Et du coup, peut-être qu'ils me rejoindraient. Et si jamais il... si jamais je vois rien au bout de 5 minutes et que j'ai pu reprendre mes esprits, je prends la sortie vers le sud. Très bien. Fais voir un jet d'intelligence, s'il te plaît. C'est pas gagné, hein. Ah, c'est pas mal quand même. Très bien, merci. Tasse. Alors, vous fixez le corridor en regardant la porte en face de vous. En boucle. Les... la fameuse boucle. Et le sol. Fameuse. Le loop. Si vous voulez, oui. Je connais quelqu'un qui gère bien les musiques en live, je te donnerai son adresse. Tasse. Fais-moi, s'il te plaît. Pardon. Tu m'as fait le G. Tu as fait 3. Magnifique. Tass, tu sautes, tu es conscient pendant quelques secondes, mais tu es aspiré dans le vide et au bout d'un moment, la pression et le souffle commence à te manquer et tu tombes dans les pommes. Tu ne sais pas combien de temps il s'est passé après ta chute, mais tu te réveilles dans une salle plutôt grande, tu estimerais à peu près à 50 mètres de large. Elle est rectangulaire. Il y a une issue sur la droite du point où tu te trouves, vers l'est, c'est plus probant. Et tu es dans le même cas que Forben. Tu as l'impression de flotter complètement. Tu te demandes bien ce qui se passe. Ton corps n'a pas l'air d'être dans sa forme habituelle, ou tu ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui va peut-être, mais il y a quelque chose de particulier que tu ne maîtrises pas. Pourtant, tu es quelqu'un avec une très grande dextérité, mais là, c'est compliqué pour toi. Fais-moi un check d'intelligence, s'il te plaît. Ouais, on s'en doutait, hein. Ouais, ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Forben ! Forben ! Ah, il est déjà parti. Bon, bah, il a dû partir vers l'est, hein, c'est vers la droite. Allez. Est-ce qu'on a un moyen de savoir que c'est le sud, l'est, le machin, le... Ou est-ce que pour nous c'est juste tout droit, quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, en effet, c'était peut-être pas une bonne idée de dire l'est, le nord ou tout ça. Il y a une sortie en bas à gauche toi, quoi. Pour toi, Forben. Et une sortie à droite pour toi. De la pièce Tasse. Okay. Voilà. Non, mais moi je vais le chemin, je vois pas Forben, donc je continue. Non, mais il y aurait pu y avoir un pas de plafond et un genre de ciel étoilé, ou je sais pas. Fin... Lui, t'as tout à fait raison. Alors je stipule que je continue mon chemin en appelant Forben de temps en temps. Je vous ai perdu. Tu vois, tu entends ton retour. Quand tu cries, tu entends ta voix comme un écho. Et bah, l'espace, c'est chiant. On s'ennuie et Forben a disparu. Donc, zut. Dairon, tu nous as vraiment perdu ou c'est juste sur le Discord ? Ouais, non, je perds Discord, ouais. Ça va. Si tu perds un peu de Discord, ça va mieux ? Oui. Très bien. Ok. Les autres ? Que faites-vous ? Vous êtes dans la pièce. Ça fait 3 minutes que vous cherchez une corne. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tente la même chose stupide de Tasse ? Écoute, de toute façon, on ne les voit pas revenir, donc il va bien falloir se décider à faire quelque chose à un moment ou à l'autre. Alors, soit j'ai la possibilité de attendre une demi-heure et invoquer le pseudo-dragon et visiter par ses yeux, soit ben, on se le tente à l'arrache, comme d'hab, quoi. Ça vous dit de mourir tous ensemble maintenant ? Pas trop. Alors, on essaie de traverser le couloir ? Elzinia d'abord.
Elsinia, que fais-tu? Je vais passer devant. Bien. Je vais tenter le coup. Banco, banco. Non, c'est pas le même jeu. Tu clenches la porte et tu vois devant toi le vide. Mais bon, tu es assez confiante quand même, tu tapotes du pied et tu sens que le sol est solide. Malgré que tu ne le vois pas, tu marches sur une comme si c'était une plaque de verre, finalement. Et tu te vois là dans l'allée et tu vois devant toi de temps en temps des météorites et des étoiles filantes traverser de part et d'autre le couloir et passer à une vitesse... Tu as du mal à les distinguer, mais tu les entends tellement la vitesse du son est largement dépassée. Je vais avancer un petit peu. Très bien. Tu avances de quelques pas et voilà, tu vois à peu près, tu es à quelques mètres d'où Forben s'est fait balayer et tu vois les étoiles passer juste devant toi. Tu te demandes même si tu es à l'abri là et tu te demandes bien si tu vas pas être frappé à ton tour si tu restes là trop longtemps. Et est-ce que il y a au ras du sol, il y a quand même des trucs qui passent. Tu sais, comme tu avais dit qu'il y avait un petit muret sur les côtés, moi je veux regarder si au niveau la hauteur de ce muret, il y a quelque chose qui passe ou si en rampant ça pourrait le faire. Fais-moi un jet d'investigation. Ton idée semble absolument lumineuse. Xontal coule dans tes veines, peut-être. Mais là, tu inspectes les lieux pendant... tu prends vraiment le temps, hein, une bonne trentaine de secondes. Tu regardes bien le rythme. Et oui, en effet, tu as l'air de te dire que sur les 20 cm que les murets couvrent de gauche à droite, il ne semble pas y avoir de passage de météorites. Bon, bah... Le loup. Si Croblanc passe, je pense avoir trouvé la solution et Croblanc sera c'est notre réponse. La chenille. Et si je me suis trompé, je suis... Tant pis, paf, le loup. Je sauterai rejoindre Tass et le loup. Si tu es d'accord, Elzinia... quand même plein de courage. Mince, ça a déconné au moment où Elzinia a parlé. C'est moche. Alors du coup, elle a dit qu'elle faisait des caresses. D'accord, avant de le... Elle va l'envoyer quand même. Elle est ok. Ouais, voilà. Ouais. Donc tu encourages ton loup et tu lui donnes l'ordre de traverser le couloir. C'est ça. Très bien. On se descend, hein. Parce qu'il fait pas 20 cm de haut. Hein. Un peu plus haut, en effet. Qu'est-ce que tu lui expliques? Comment tu veux qu'il traverse ça? Tu peux lui donner quelques indications? En essayant d'esquiver les météorites et les étoiles. D'accord, donc plutôt en baissant la tête. C'est ça. Fais-moi un jet de dextérité avec avantage. Pour ton loup. Clique sur sa fiche. Ouais, clique sur la fiche du loup et prends ses stats à lui. Ouais. Celui-ci sera enregistré pour l'éternité. Ouais, sacré météorite. Le loup avance. Et vous voyez tous les jets que vous faites depuis le début, là, je viens de percuter, moi. Non, y a que moi. Enfin, moi, j'ai pas vu bien. Ah oui. Non, mais Elodie, elle l'a jeté sur le plateau. Oui, d'accord. Ah oui, non, mais oui, il y a une tour. Hein.
Non mais un peu plutôt... il y a un GM, hein. Il y a une tour. Ouais mais c'est rigolo ça. Comme ah, ça. Oui, c'est vrai que c'est mieux. D'accord. Sur un plateau. Vous voyez toute la dextérité de Gros Blanc qui s'exécute. Hein. Vous êtes bon. Vous voyez l'animal. Vous pensez bien qu'un humain ne peut pas rivaliser. Il se déplace avec une très grande vitesse. On a l'impression qu'il sent d'où vient le danger à chaque fois. Il anticipe absolument tout. Il baisse bien la tête et il arrive à ce niveau-là. Arrivé ici, Elsinia, tu vois Croc Blanc qui se retourne et qui te regarde. Et il a l'air de chuiner un petit peu. Et il regarde sur la gauche et il a l'air d'avoir un problème. Il n'ose plus trop avancer. Il est à moitié à quatre pattes, mais il y a quelque chose qui l'embête. Ok. Ah. Ok. Bah moi. Et ben quand je vois qu'il s'arrête, moi j'y vais. Je fais la même. Je vois qu'il est passé. Pareil. Je longe l'autre côté. Je longe vraiment le muret. Donc à quatre pattes, hein, en rampant. Juste. J'ai toujours mon bouclier. Et genre. À mon avis, un coup de météorite sur le bouclier, ça va pas faire de mal. Non, c'est pour être équipé après. Hein. C'est pas grave. La météorite. Hein. Du coup, à perdre un bras. Moi, j'ai de dextérité avec avantage. On le fait dans la tour. Oui, bon, comme vous voulez. Je préfère, mais. Et. Ma belle tour. Alors, c'est une save ou c'est une habilité? Non, c'est un check. Un check. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Elodie, tu m'as fait une save, ce qui ne change rien. C'est pas grave. Ça change rien, c'est la même stat. Très bien. Vous léchez le sol, hein, les trois. Et vous avancez vraiment tout doucement. Daeron arrive en ce... C'est Erwald hein, qui l'a dit en premier. Donc Erwald passe et arrive là. Non, attends, j'ai chopé le curseur. Je lâche. Oui. Ouais. Erwald, okay. Tu arrives juste derrière Croc Blanc et okay. Sur ta gauche, tu vois deux corps qui semblent être celui de Tasseloff et celui de Forben. Ils okay. sont debout et tu vois Forben qui vient d'être frappé par une météorite. Tu le vois, il est comme ça en arrière, il est propulsé, son corps est à l'arrêt, tous ses membres ne touchent plus le sol. Et il est complètement translucide. Il est figé dans le temps. Ok. Un petit okay. peu plus loin, tu vois Tass qui est à une seconde de sauter comme ça en l'air avec la bouche ouverte et tu l'entends crier Forben, on dirait. Tu vois sa bouche et tu sais qu'il a prononcé le mot Forben. Tu le vois, il est à 20 cm du sol et son corps est complètement figé dans le temps aussi. Et il est complètement translucide. Ok. Tu devines une espèce d'ombre pâle, mais colorée. Ok, est-ce qu'au niveau du loup, il y a encore des météorites qui traversent ? Oui. Oui ? Ok, donc on est vraiment au ras du sol et on voit ça par-dessus. Oui. Ok. Les corps de Forben et Tass sont frappés régulièrement et traversés par des météorites. Ok, est-ce que le muret continue plus loin ou pas? Est-ce que le loup s'est quand même arrêté à cet endroit-là? Est-ce que le muret... Ce qui a l'air de... Tu comprends... Fais-moi un check d'intelligence. Oui, tu captes tout de suite, tu vois Croc Blanc qui est là et de la patte, il essaye de toucher la botte de Tass et il comprend pas. Il dit qu'est-ce que tu fais là, bouge. Ok. Écoute, je pousse avec mon épaule les pattes arrière de Croc Blanc pour qu'il continue à avancer à ras du sol. Très bien. Il a un peu de mal à obéir, mais bon, il a l'air de... Il se laisse plus ou moins faire, il a plus ou moins confiance. Hein. De toute façon, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose là, donc on va continuer. Croc Blanc avance jusqu'au bout du couloir.
Ok. Je le rejoins, hein. Je veux être devant quand même. Bon, au passage, j'essaye quand même de passer la main. Alors, je passe au travers, du coup. Ouais, tu passes la main au travers de l'ombre de tasse à cet endroit et okay. Il se passe rien. C'est vraiment c'est comme une image en 3D flottante. Ah ouais. C'est comme s'ils étaient figés dans le temps à cet endroit-là. Ouais, okay. Ouais exactement. Exactement. Ok, ok. Bon, ben je laisse tomber, j'avance en faisant toujours attention. Mm-hmm. Très bien. Vous arrivez au bout du couloir, tous les quatre. Et mon cher Forben, cela fait 5 minutes que tu regardes autour de toi, que tu commences à comprendre que tu n'es plus en forme humaine, mais tu es une espèce de comme un esprit, une espèce de forme gazeuse de ton esprit. Tu flottes dans la pièce où tu te trouves et tu vois tes membres. Mais ils n'ont pas l'air de... Ils ont l'air de... Tu les bouges au ralenti et tu as l'impression de te déplacer en te penchant. Quand tu te penches en avant, tu as l'air d'avancer. Voilà, tu d'accord. Commences à comprendre comment... Est-ce que mes membres sont... Comment dire, tangibles? Est-ce que je peux toucher mes bras, par exemple? Non, tu ne sens absolument... C'est ça qui est extraordinaire. Tu ne sens absolument rien. Tu as l'impression d'être enfermé dans une bulle. Tu arrives à bouger à l'intérieur. Comme si cette bulle roulait et flottait, et tu pouvais avancer, mais tes membres n'interagissent pas avec les murs sur les côtés. Tu ne peux pas aller plus loin. Ok. Dans Super Mario, c'est quand t'as perdu une vie, il faut qu'un autre y te touche. Et je peux quand même avancer dans le fameux couloir en bas à gauche. En te penchant, tu y arrives. Tu arrives tout doucement à te déplacer. Ok, ouais. Ben je continue tant que je vois rien. J'ai toujours mes... Enfin, du coup, j'ai... Est-ce que j'ai quand même comment dire, mes équipements? J'ai l'impression de voir mes équipements sur moi ou... Oui, ton apparence semble... Okay. N'a pas changé. D'accord, très bien. Bon, mais je tiens ma masse fantomatique et mon bouclier fantomatique devant moi. Et j'avance. Tu fais un effort assez important, puisque la dextérité n'est pas ton fort. Mais tu as l'air d'avoir bien capté le truc et tu te déplaces. Tu arrives tout au bout de ce chemin et une fois que tu passes au bout, un espèce de voile s'ouvre autour de la sphère où tu te trouves et t'englobe complètement, t'avale et te recrache un petit peu plus loin. Te voilà dans une salle complètement... c'est pas un cercle complet, mais presque un deux tiers de sphère avec une porte sur ta gauche. Il y a aussi un chemin en bas à droite. Il n'y a rien qui les différencie. Les deux chemins. Il y a une porte sur ta gauche, voilà. Un chemin okay. En bas à droite, et toi, tu arrives donc du chemin en haut à droite, d'où tu te trouves. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Très bien. Tasse. Tu suis le chemin qui était à ta droite. Tu arrives dans un petit couloir avec la même dextérité que Forben, les mêmes problèmes. Et te voilà dans un très grand couloir qui semble aller du nord au sud. Il y a quelques pas avant d'arriver dans le couloir. Enfin, quelques pas, si on peut dire. Dans la partie basse du couloir... Tu imagines une pièce assez carrée, alors que le nord, la partie haute du couloir semble t'envoyer dans un très très long couloir. Est-ce que là, du coup, combien d'options j'ai là ? Tu peux avancer de quelques pas, te retrouver dans le couloir. Il y a la porte derrière toi pour repartir vers la gauche. Il y a une salle carrée au sud. Et il y a le couloir qui est interminable, qui a l'air d'aller vers le nord. Je vais prendre le couloir interminable. Très bien.
bout de quelques secondes, Forben, tu ouvres la porte et tu arrives ici. Que je retrouve ma consistance. Tout à fait. Bien, je passe. Tu arrives tout en haut de cette espèce de montée. Et quand tu arrives en haut, tu vois Forben qui sort de la pièce au même moment. Vous vous retrouvez tous les deux. Et vous êtes. Confus. Avez l'impression de. Oui, et confus. Ah oui, très confus et surtout très amoindri. Ah, merde. La Forben, je te cherchais partout. Mais je te cherchais pas, mais je suis bien content de te voir. C'était étrange. C'était chouette quand on a sauté comme ça dans le vide avec les étoiles filantes. Alors, tu as peut-être sauté, j'ai pas sauté, hein. Je me suis pris un truc dans la gueule, hein. Ah bon? Oui. Tu vois les petits trucs qui traversent le pont là-bas, là ? Je m'en suis pris un dans le torse. Même en parlant, au bout de quelques secondes, Tass, tu sens des douleurs partout, dans tous tes membres. Tu as vraiment très 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 mal, et Forben aussi. Le rocher, toi, tu l'as bien senti passer. Et vous êtes KO, hein. Vous avez l'impression de vous êtes fait rouler dessus. Et vous ne saignez pas, rien du tout, mais vous êtes dans un état second. Très très amoindri, tous les deux. Oh, je suis exténué, j'ai un peu mal aux muscles. Mais les amis, vous entendez ce que j'entends? Vous voyez ce que je vois? Oui. Vous pensez ce que je pense? Un dicton très célèbre chez les nains, c'est quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Oh, regarde, il y a les copains au bout du pont. Et je cours les rejoindre. Et là, je crie tout de suite en réaction. Je connais Tass. Je crie. Allonge-toi, rampe. Et moi-même, bah, de toute façon, j'y suis toujours. On est toujours les quatre à quatre pattes, de toute façon. Après, ouais. Moi, je pense qu'on devrait avoir un bonus avec Tass parce qu'on est petit. Je fais 90 cm. Le parapluie fait 20 cm qui dépasse. C'est vraiment pas de chance si je suis touché. Hein. Au moins, tu te feras pas toucher en dessous des. C'est ça. Fais-moi un check de perception, mon cher Tass, voir si tu entends le message d'Iron Nathan. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? PCO. C'est court, c'est. Oh putain! Tu entends très bien ce qui vient de t'être dit et tu freines des deux pieds à toute vitesse. Mais t'as eu du mal à courir jusque-là. T'es vraiment. T'as l'impression d'avoir 42 fièvres. T'es vraiment très très mal en point. Et tu freines, ton corps est lourd, tu as vraiment du mal à t'arrêter et tu as le réflexe de te baisser. Ça marche. Forben, tu as entendu aussi. Fais-moi un jet de perception. Ah, de toute façon, moi, je... Ouais, tu n'y vas pas. Je n'y vais pas encore, moi. Okay, j'étais encore en prêt. Très bien. Je veux dire, lui, il est intelligent. Il voit 5 personnes accroupies. Bon. Ouais, bon, voilà. Il s'appelle pas Task. tu vois Task s'accroupir devant toi. Et quand tu fermes un petit peu les yeux, tu essaies de voir un petit peu plus loin ce qui se passe, même si c'est assez loin, tu devines que tes amis sont de l'autre côté... à quatre pattes. Est-ce que donc je sens bien que je vais pas bien. Je suis pas. Ah oui. Est-ce que j'ai les connaissances suffisantes pour penser qu'un sort de soin me ferait aller mieux ou est-ce que ça a l'air de vraiment d'être un mal physique. Ça a pas l'air d'être. Ok. Donc je pourrais me soigner. Éventuellement. Et je vais me lancer un sort de soin. Très bien. De niveau 4. Égoïste. Pas non plus.
Ça fait quoi d'avoir 28 PV pour mettre... Eh, tu vas voir, ça va pas durer. Ouais. Il y a encore du boulot, hein. Attends, ça c'est des bonus, non? Oui, c'est des bonus. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Tu sens là un peu de vigueur. Tu as l'air d'aller mieux. Enfin, tu vas mieux. Eh bien, je profite de cet élan pour m'accroupir et ramper au moins à quatre pattes. Ça m'a toujours... je me suis toujours demandé à quoi ça pouvait ressembler à un nain en armure lourde qui rampe au sol. Ça doit être extraordinaire. Eh bien, moi, je peux te le dire. Au lieu, il rentre les bras et il roule. J'y ai beaucoup réfléchi, mais je pense que c'est la meilleure solution pour les nains. C'est vrai. Comme les tatous. Ça peut être assez... Ouais, il vaut mieux que tu te mettes latéralement et que tu roules. C'est vrai, parce qu'en rampant, tu iras pas vite. Hein. Ça doit être très long. Ça doit être très long. Incroyable. Eh bien, écoutez, je rampe. Et je vous emmerde tous, de toute façon. Il y a la barbe qui fait bah les brosses. Moi, je me mets sur le dos et quand je vois Forben passer à côté de moi, je lui attrape la cheville et je me laisse traîner en regardant les étoiles filantes. Le poids de tasse est très 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 lourd, mais tu as vraiment beaucoup de force et tu arrives à le traîner, le pauvre vieux. Ça l'arrange bien, il est vraiment dans le mal. Vous léchez vraiment le sol tous les deux, vous prenez tout votre temps. Et vous arrivez tout doucement de l'autre côté du couloir. Et nous, on voit rien où on est, côté gauche et droit, là? Non. Si, si, bah, chacun son tour. Non, mais c'était pour savoir, parce qu'on était là. Tu. Ça fait un moment qu'on est là, quand même, hein. Et on a toujours rien vu, hein. Forben et Tass, quand vous êtes passés, même Erwald qui regarde un peu au sud, tu vois que les ombres figées dans le couloir ont disparu. D'accord. Tu es bien content de retrouver Tass et Forben derrière toi. Hey. Ouais. Tu es bien content, j'en sais rien. Ouais, ben si tu veux, le temps que je préfère l'avoir devant moi, donc quand il sera passé devant, je serai plus serein. Là, pour le moment, je suis juste content de le voir. Point. Mais ça me rassure pas pour autant. Parce qu'il y a quand même des météorites qui nous passent au-dessus de la gueule. Ça fait peur. Plus personne ? Si. Vous voilà dans le... dans le couloir, et le sol semble être de nouveau apparent. Les murs, les petits murs d'une vingtaine de centimètres de hauteur sont également présents, de nouveau. Ça semble se calmer tout doucement. Okay. Forben, toi et Tass, vous avez l'air drôlement moelle en point. Est-ce que je peux faire quelque chose? Écoute, si tu as un sorge de soin... Donne la petite tasse, je peux encore me venez, soigner. Venez, je vais vous soigner tous les deux, venez. Vous arrivez dans un couloir, alors que Dairon s'apprête à faire ses soins. On peut se relever ou pas ? Une porte... écoutez, le danger semble écarté. Pour l'instant, vous n'entendez plus ce son, ce grondement permanent et ces étoiles filantes... passer de part et d'autre. Vous voyez une porte sur votre gauche, et la porte que vous voyez depuis le début, qui est juste à côté de vous, juste en face d'Elsinia. Sur la droite, à l'est, le chemin semble se rétrécir un tout petit peu, et le couloir semble tourner. Le tout est complètement plat, il n'y a pas de différence de niveau ici. Le plafond est toujours inexistant et vous voyez la nuit et les étoiles très calmes. Ah oui, on est sur du vrai soin quand même. Je me suis ciblé moi, j'étais full life, hein. Je me suis ciblé moi, ça sert à rien, mais... J'ai pas fait gaffe, donc j'ai soigné Forben de 15 et...
stas de 17. C'était donc je les ai lancés en niveau 3. Hein. J'ai lancé deux sorts en niveau 3. Deux spells t'as lancé. Deux spells de niveau 3, ouais. D'accord, ouais, c'est pour ça. Ok, je viens de comprendre. C'est tout. Okay. Parfait. Les autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire tant que Dairon exécute ses soins? Oh, est-ce que on va y rester 30 minutes ou pas? Non, c'est juste quelques soins comme ça. Ah non, ah non, on parle de deux actions, c'est... Hein. C'est pas une minute, hein, en tout cas. Ok. C'est... Ok. J'ai des potions. Potions de soins, je crois. Attends. Je sais plus si je les avais distribuées. Ouais, j'ai encore 6 potions de soins, si vous les voulez. Il faudra me payer. Non, je rigole. Quelqu'un veut des potions de soins? Bon, non, ça ira, t'inquiète pas. Ok. Bon, donne-moi une au pire, hein. C'est que je refuse jamais rien. Oui, oui, non, mais si c'est pour la revendre après, c'est bon. Mais tout de suite! Mais. Tu me prends pour qui? Voyons. Pour ta seule offre, racle le pied. Et bah, la prochaine fois, je te donnerai même pas ta potion dans ta bouche, hein. Je prendrai la potion directement dans la mine. Vous voilà un petit peu requinqué en train de regarder les fioles d'Erwald. Certains en prennent, d'autres pas. Que faites-vous? Moi déjà, je regarde en arrière. Est-ce que je vois les météorites passer dans l'autre sens? Est-ce que c'est toujours le pareil? Il n'y a plus rien, Erwald. D'accord. On voit le couloir? Ok. On voit toujours le cosmos, mais on voit plus les météorites, c'est ça? Le sol semble être là de nouveau. D'accord. Je vais commencer par regarder l'autre couloir. Tass, devant toi se dessine une pièce de taille rectangulaire ou carré, tu ne sais pas de trop. Tout au bout de cette pièce, tu aperçois quelqu'un. Tu aperçois quelqu'un d'une taille assez surprenante. Il est, on dirait, presque la taille d'un ogre. Il fait 2,50 m de haut, presque autant de large. Il a l'air vraiment tout en muscles. Et il a l'air de s'occuper de ses affaires, de vaquer à ses occupations. Il s'y flotte en marchant. Il a l'air d'être vraiment, vraiment tranquille. Bonjour monsieur! Oh putain, la gueule! La gueule là. Il a la gueule du gentil, tu vois! Hein, du jambon! Voilà, voilà. Dites, auriez-vous une potion de soin, s'il vous plaît? Non pas que j'en ai besoin, mais mon ami en fait collection, il en a déjà 6! Tu vois le. Le protagoniste devant toi qui se met à faire des mouvements de bras, et tu vois une espèce de petit cercle magique et une espèce de boule qui apparaît dans sa main. Il avale cette boule au bout des quelques secondes, il la mâchouille et il l'avale. Il te regarde et il s'adresse à toi. Ah bonjour! Mais qui êtes-vous? Je ne comprends pas ce que vous voulez. De toute façon, pour l'instant, je ne peux rien faire pour vous. Bonjour, je m'appelle Tassalof Raclepied. Pour vous servir, ou... Enfin, parfois je me sers aussi. Mais ça, on verra ça plus tard. Vous avez l'air très intéressant. Je m'appelle Taraz. Taraz le Juste. Taraz Boulba.
Enchanté, Taraz. Vous savez, j'ai mes amis un peu plus loin. Attendez, je vais les chercher. Non, non. Quoi ? Taraz le juste. Ah d'accord, Taraz le juste. Eh ben écoutez, attendez, je vais chercher mes amis. Je reviens tout de suite. Très bien, mais pourquoi partez-vous ? Vos amis peuvent attendre. J'ai plein de choses ici, regardez. Vous en allez pas. Pas si vite. Ah. Vous voulez que je vous montre quelque chose d'intéressant ? Ah oui ! Le même sort que vous avez fait, là. La jolie boule, tout ça, tout ça. Mais tout à fait. Approchez. Mais surtout, surtout, attention, regardez au sol. Moi, un check de perception avec avantage. Donc lui, son nom, c'est juste. C'est juste. J'avais même pas fait le rapprochement, regardez. C'est le juste. Le juste. Mais c'est juste le juste, par contre. Juste le juste. Tass, tu vois... Tu vois, il y a un petit meuble. Tu vois les liserés de carrelage. Tu imagines qu'il y a une traînée de poudre qui part de ce petit meuble en bois et qui file vers le... Bon, je vais le faire avec des marqueurs, hein, ce sera plus simple. Oui, avec des tables. T'as pas l'outil. Toi, normalement, tu dois avoir l'outil dessin, non ? Petit pinceau. Oui, j'ai le petit pinceau. Ah oui, je pourrais dessiner un truc dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Alors, vaut mieux que je fasse comme ça parce que bon, pas de télé. Tu vois deux lignes vraiment tracées de façon assez régulière au sol en petit tas de sable blanc, un sable cristallin blanc qui file tout le long de ces lignes et qui va jusque contre le mur, et il y en a aussi contre le mur de part et d'autre. Vous voyez cette limite. Tasselhoff, c'est ça ? Oui, Raclepied, tout à fait. Pardon, Tasselhoff, Raclepied. Appelons un chat un chat. Vous voyez cette limite ? Je ne peux pas la franchir, malheureusement. À cause de Xontal. Mais vous pouvez peut-être m'aider. Et si vous m'aidez... moi, je peux peut-être vous aider à sortir d'ici. Vous avez l'air d'être dans le besoin. Mais d'abord, le tour de magie. Bah, je peux vous refaire le tour de magie. Oui. Regardez. Quelle langue voulez-vous parler ? La crevette à deux queues, vous faites ? Bien sûr, je peux tout exaucer. Ne bougez pas. Je le vois fouiller dans une petite pochette derrière lui. Il sort une espèce de boule dorée. Il la remue, il la fait tourner sur ses mains. Il exécute à peu près le même mouvement que tout à l'heure. Et la boule a une espèce de couleur crevette dorée. Et à deux queues. Voilà. Il avance et il te la dépose juste devant le petit tas de sable qu'il y a au sol translucide. Voilà, moi je ne peux pas aller plus loin. Je la dépose juste ici. Je ne peux pas rien faire. Un autre sort. Mais vous ne voulez pas essayer de parler la crevette dorée ? À deux queues. À deux queues ? Il faut avaler. Comment ça ? Je dois avaler la chose ? Mais je parle bien votre langue. Je ne la parlais pas il y a quelques secondes, avant que moi-même je l'avale. Vous avez avalé une crevette ? À deux queues ? Votre intelligence est quand même surprenante. Ça fait combien de temps qu'il est parti dans le couloir, là ? Ça fait un moment. C'est vrai. Je commence à m'inquiéter et je me dirige vers le. Alors, moi, par contre, pas du tout. Je m'inquiète pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Petit As. Donc... Suivez-nous, nous. Arrêtons de nous séparer.
Oui. Ça suffit. Vous connaissez Petit As, il est sûrement... il s'est sûrement fourré dans un guet-apens ou une connerie du genre. Vous arrivez dans une pièce, les autres, et vous voyez devant vous une espèce de monstre gigantesque. Mais recule. Et Tasse qui tape dans les mains devant un tas de sel qui a l'air de faire un croisillon au sol. Tasse recule. Tu vois bien qu'il est armé. Formen, regarde, il a fait apparaître une crevette à deux queues. Mais tu te rends compte? C'est magnifique. Recule quand même, viens par là. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Vous parlez le même langage. Regardez cette épée. Plus d'épée. S'il est aussi facile pour vous de la faire disparaître, il est sûrement aussi facile pour vous de la faire réapparaître. Recule, petite as. Formen. Et l'épée réapparaît. Je crois que c'est un djinn. Et c'est peut-être du sel ou je sais pas trop quoi par terre. Alors, est-ce que je me tourne vers Erwald et je lui dis, est-ce que tu connais cette ligne? J'ai l'impression que c'est une sorte de prison. De pentacle de prison, oui, je ne sais pas trop comment le dire, mais... Bon, parce que, bon, je ne sais pas si Forben a ces connaissances-là, mais je me dis que... Ça existe, ça existe pour toutes sortes de créatures, oui. Et en général, on est d'accord que... C'est pour emprisonner une... Oui, voilà. Oui, c'est des... C'est une Alors prison. Après, est-ce que si je fais un check... sur sa nature, je pourrais peut-être identifier ce qui l'emprisonne. Mais je pense que c'est soit un démon, soit un djinn, effectivement. Il a de... j'aurais plus tendance à dire un djinn. J'essaye de lui parler en un. Et je lui dis... je lui demande qui il est, déjà. En un. Moi, je sais pas. Pour déterminer son espèce. Un jet d'intelligence. Ok. Bon, pendant ce temps que Forben il lui parle en train. Tu le vois, Forben, il prend le petite quelque chose, une petite poche derrière lui. Il exécute un espèce de mouvement de bras et il avale cette espèce de boulette. Il la mâchouille. Il l'avale, il te regarde et il te répond. Il te répond clairement en un. Je pense que vous avez l'air de vous comprendre. Et je vous propose de faire une pause là-dessus. Parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine. Salut. Et voilà, l'épisode est terminé. Il est l'heure de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis-nous. Tous les liens sont dans la description. Allez Minsk, on y va. Nous on a encore du gobelin à dérouiller.